Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Captain Willy. On part découvrir un petit jeu d'horreur. Le thème d'un Disney qui est sorti en 1937, il semble. Let's go, c'est parti. Alors, vous voyez que là, on a un effet un effet à l'ancienne. La musique, j'espère qu'elle sera pas copyright. C'est parti. On a du spawn sur le navire. Oh, il y a Mickey là-bas. Incroyable. Est-ce que je peux ouvrir d'autres portes? Ah, je peux me balader sur le navire et tout. Baladons-nous. Ah là là, c'est les anciens navires comme ça avec les trucs. On est sur le Mississippi. On avance. Ça fait référence du coup à un Disney qui est sorti. C'est l'un des premiers Disney qui est sorti. C'était Mickey en noir et blanc qui sifflait sur un bateau. Oh, tout a l'air gentil dans ce bateau finalement. On va remonter. Salut. Salut mon ami. Il a l'air gentil. Mon nouveau marin, j'ai quelques tâches à te donner. Ben donne-les-moi. Ah, le pont, va nettoyer le pont. Faut peut-être essayer d'aller devant. Ok, traces de pas, il va falloir les retirer. C'est parti. C'est bien dégueulasse tout ça. Je sais pas qui a fait ça. On est là, ici. Il y avait une trace de pas là. Les câbles. J'ai presque fini. Je sais pas s'il y avait une trace de pas en plus. Ah, peut-être à l'intérieur, il y avait des traces de pas. À l'intérieur, est-ce qu'il y avait des traces de pas à l'intérieur? Non. Là, il n'y a pas de traces. Bon travail. Ok, va éplucher quelques patates. Donc là, on les a vues, c'était pas de la cocaïne, c'est juste que c'est mal fait. On prend le couteau, okay. Donc on va rester là tranquille. Ah, on va dormir, ok, faut dormir. J'avais pas capté. C'est parti, on dort. Et deuxième journée, c'est parti. On va aller voir notre capitaine. Bonjour capitaine. Deck is looking dirty, you know what to do. Ah ouais. Le pont a l'air sale, tu sais ce que tu dois faire. Déjà, il ne parle pas de la même manière. Il faut continuer à nettoyer, hein, c'est ce qu'on fait. Hop, impeccable. Impeccable. On fait tout sur le navire. Hein. Lui, juste, il tient la barre. Vraiment polyvalent sur le navire. Impeccable. Putain, il me fait peur. Oui. Good shopping. Ah, ben merci. Pourrais-tu. Prendre la barre de seconde. Je dois voir que. Donc il me demande de prendre la barre de seconde pour diriger le navire et il doit faire 2-3 trucs pendant ce temps. Ok, on conduit, c'est intéressant. Mais j'ai peur qu'il arrive derrière moi là. On continue. Peur un peu. De mettre le charbon. Tu peux aller dormir ou faire ce que tu as envie. Oh, il a l'air un peu plus. Il est en dépression, hein, Mickey. Enfin, les portes, parce qu'on ferme les portes. Voilà, comme ça c'est propre. C'est magnifique. Voilà. Pour pas que l'air rentre, on ferme la porte et on va se coucher. C'est parti. Hop! Ah ouais, ça me dit rien qui vaille ça. Premier jour, c'est impeccable. Troisième jour avec Mickey. Alors. You're already awake, it seems. You know how it goes. Tu sais ce que. Faire, bon, il me dit de faire comme d'habitude, donc on va le faire. Impeccable, j'ai fini. Clean, il étend le pont pour toujours. Je constate que nous sommes en train d'être à court de patates. Ok, impeccable. Donc en gros il m'a dit qu'on est à court de patates. Ce qui n'est pas le cas du tout, mais bon, tranquille. Il me demande de prendre une bougie et de descendre dans une trappe pour aller chercher d'autres patates.
je pense qu'on va découvrir des choses. Voilà, ça c'est la trappe. Il faut qu'on prenne la bougie avec nous. Et c'est parti, on va sous le pont. Aïe aïe aïe. Donc nous voilà sous le pont, tranquille. Il n'y a personne d'autre. On est juste censé. Hop là, impeccable. On a trouvé des patates. On a les patates. J'ai un sac à patates. C'est bon, j'ai récupéré le sac à patates. On va les mettre. On va les mettre ici. Hop. Est-ce qu'il veut. Il s'est passé quoi là? Attends, Mickey! Attendez, Mickey, il s'est passé un truc là! Mickey? Je vais être devant! Salut Mickey! Oh bordel, j'ai encore glitch un jeu! C'est pas comme si j'étais la première fois! Putain! Je suis vraiment un bêta-testeur, les amis! Hein. Il m'arrive que des dingueries dans les jeux, putain! Attends, on peut les parler ici? Quite the adventure was a bit. Ne va pas encore en dessous. Tu pourrais. Tu pourrais faire quelques. Ouais, il me demande en gros de. Je fous rien dans. Lundi des frites. Mardi des frites. Mercredi des frites. Hop. Je crois qu'elle avait 4 de patates à cocher, je sais pas. Reviens ici. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Je t'ai vu. Bon travail, Potato. Mais oui, tu es en train de m'observer là. J'ai une petite tâche pour toi. Oui, donc il me demande en gros d'aller. Faut qu'on retombe sous le pont, qu'on prenne le charbon, qu'on alimente et qu'on aille dormir après. C'est parti. Il faut qu'on aille chercher du charbon au même endroit tout à l'heure. Je crois que la candelle est toujours là, impeccable. Je prends la bougie et on descend. Coil, ça c'est le charbon. Tranquille, aucun souci. Ok. Je t'observe. Hein. Alors ramenez ce sac de charbon dans la salle à charbon, c'est parti. Hop, on prend la pelle et c'est parti au travail. Et hop, et hop. Pour l'instant, le jeu est cool. Le début du jeu est sympa, il y a des tâches à faire. On va lui rendre compte, je crois que c'est bon. Tu n'es pas effrayé par le noir. Ça a été une longue journée, va dormir. D'accord. Bon les gars, la musique vient de s'arrêter. My god, j'ai peur. Capitaine? Où êtes-vous, capitaine? Pourquoi la musique s'est arrêtée? Capitaine? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, capitaine? Bon les gars, c'est parti, hein. On est un peu obligé d'y aller du coup. Où êtes-vous, capitaine? Où êtes-vous, capitaine? Oh putain de merde. J'ai fini, capitaine. Get some potatoes and chop them. Donc là, j'ai faim. Ok, il a faim. Attention. Allons éplucher les patates, c'est parti. Hop. Mais non! Il n'y a plus de patates. Il y a du charbon, il y en a encore. Oui, il y a du charbon. Il en bouffe des patates, Mickey, là. Bon. Allons rechercher les patates. Putain, je crois qu'il y a plus de patates.
Ça, je trouve ça bizarre quand même, qu'il y ait des eaux dans le sous-sol. Je pense qu'on n'est pas le premier marin à passer là. Bon, on n'a plus de nourriture, capitaine. Il va pas être content. Bon, capitaine. Je pense qu'il va venir cannibale, le capitaine. Capitaine, on a un petit souci. Il y a plus de patates. Comment on va faire sans manger? Il me semblait que il n'y a plus de charbon. Et ce con, il s'est perdu. Il a perdu la carte. Jour 18. On a 9 jours plus tard, alors qu'on n'a pas bouffé. Il demande à dormir un peu. On s'en occupe. Je m'en occupe, capitaine. Je gère le navire. J'ai peur qu'il arrive derrière là par contre. Il fait nuit. Jour 19, ça c'est le jour suivant. Le pont. Oh bordel. Il est de plus en plus fatigué, notre ami. Là, du charbon. J'ai vu le charbon, capitaine. Tu peux aller dormir maintenant. J'ai pas fait grand chose. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Il a cloué les portes? Il a renforcé les portes? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Où il est, le capitaine, là? Il a cloué les portes parce qu'il est en train de péter un câble, peut-être. Donc, il va se transformer, je sais pas. Si, je vais essayer d'aller à vue d'œil, je sais pas. Ah, mais peut-être qu'il y a moyen que je prenne la bougie, là, dans la chambre, parce que je vois rien, surtout. Ah, voilà, je préfère prendre la bougie. Je crois bien qu'il va falloir aller au sous-sol. Alors, on y retourne, c'est parti, les amis. J'ai bugué, les gars. My god. Oh, les gars, il se passe quoi? Ok, les gars. La clé était pas vers là. J'arrive pas trop à voir, mais il semble que la clé était ici. Ok les gars. Oh my god, vite, le canot de sauvetage. Vite. Oh my god. Vite, qu'est-ce qui se passe, vite. Oh, on a réussi, on a échappé au capitaine fou.